Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui malheureusement divise alors qu'il n'est pas censé diviser. Nous allons parler d'un sujet qui pour nous musulmans est un sujet qui nous fait chaud au cœur et pas forcément pour ceux qui ne sont pas de confession musulmane. Mais justement, on va essayer comme une famille de se réorganiser, de se réconcilier et de mettre les points sur les i afin que tout le monde comprenne. Nous allons parler aujourd'hui du voile de la femme musulmane. Avant même aujourd'hui de parler avec vous du voile que l'on appelle en islam al-hijab, je voudrais parler de la chose qui est la plus importante en fait. Avant même de parler du voile, on doit se remémorer que nous parlons de femmes voilées. Et que ces femmes voilées sont des femmes. Et que pour celles qui sont en train de regarder cette vidéo et qui ne sont pas forcément de confession musulmane, je voudrais que vous arriviez à regarder ces femmes comme des femmes comme vous. Pour certaines mères de famille, pour certaines célibataires ayant des ambitions dans les études, dans le travail, des femmes qui vont aller prendre des loisirs, se promener dans un parc avec leurs enfants, faire une sortie avec leurs enfants. Parce qu'une des plus grosses problématiques, à mon sens, que nous avons aujourd'hui, c'est que la femme musulmane a été déshumanisée. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à partir du moment où une femme porte un voile, elle n'est plus une femme, mais elle est un emblème politique, islamique, de je ne sais quoi. Je voudrais, par rapport à cela, remémorer une anecdote qui est très importante à mon sens et qui était la fois où nous avions, dans un conseil régional, une femme voilée qui était venue avec son enfant et un homme, si on peut appeler ça un homme, hein, une personne qui se revendique être un homme, je ne sais pas si c'en est un réellement par rapport aux principes et la moralité que cela implique. Un homme donc, soi-disant, du RN qui avait interpellé cette femme et l'avait humiliée devant son fils. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui s'est passé. Des personnes même qui étaient connues pour leur islamophobie, des femmes en tout cas, se sont rebellées contre cette situation. Pourquoi? Parce que d'un coup, elles se sont mises à aimer les femmes voilées? La réponse est non. Mais elles ont vu que cette femme était une mère de famille. Avant même de parler du voile, je veux qu'on se rappelle de cette chose-là. Ces femmes sont des femmes comme vous, des mères de famille comme vous, des épouses comme vous, des étudiantes comme vous, des femmes qui ont une carrière professionnelle comme vous. Maintenant qu'on a mis en place les bases en fait, de notre réflexion, nous allons pouvoir parler de cette adoration qu'est le voile. Et oui, c'est une adoration en tant que telle. Nous ne sommes pas en train simplement de parler d'une culture, alors telle femme parce qu'elle est d'origine maghrébine, ou telle autre parce qu'elle est d'origine pakistanaise, ou soudanaise, ou sénégalaise, alors elle va mettre tel voile ou telle chose. Nous sommes en train de parler d'une adoration. Une adoration qui est liée à une notion de pudeur islamique. Alors qu'on se comprenne bien, moi je ne vais pas me cacher de ce que je pense et de ce en quoi je crois. Et je ne vais pas faire semblant de vous dire « il n'y a pas de pudeur islamique qui existe, nous avons la même conception, chacun d'entre nous a la même conception de qu'est-ce que la pudeur ». Nous parlons ici de définition de terme. Eh bien je vais vous expliquer ce qu'est la pudeur en islam. En islam, la pudeur vise à ne donner à la femme que sa valeur au niveau intellectuel, comportemental et moral. C'est-à-dire, nous n'allons pas juger le livre à sa couverture. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui nous intéresse. Et c'est exactement un de ces éléments-là que l'islam vise. C'est-à-dire que nous n'allons pas être plus avenants vers une femme parce qu'elle est plus jolie ou parce qu'elle a des formes plus rondes ou qui vont provoquer chez l'homme un certain nombre de pulsions. Non. Nous allons regarder la femme, l'être humain en tant que tel, ses discussions, l'intelligence qu'elle dégage dans ses réflexions. En fait, excusez-moi de vous dire cela, mesdemoiselles qui parfois se revendiquent du féminisme, le voile vise à enlever à la femme la notion de femme-objet. Ce n'est pas plus tu te maquilleras et plus tu mettras des vêtements moulants et plus tu auras de la valeur dans la société. Non, en islam, ce n'est pas ainsi. La réalité, c'est que le voile vient te préserver du regard de l'homme qui ne te donnera de la valeur que si tu provoques en lui un certain nombre de sentiments. Nous avons ici un lien entre d'une part l'intérieur et l'extérieur.
Mais il est très important aussi de dire quelque chose d'autre. C'est que, avant toute chose, c'est une adoration. Ces femmes sont en train d'adorer leur Seigneur à travers le fait de porter ce voile. Tout comme d'autres personnes vont adorer leur Seigneur en se prosternant, tout comme d'autres personnes vont adorer leur Seigneur en partant faire le grand pèlerinage. Nous sommes ici dans une dimension qui est une dimension religieuse. Et la femme voilée ne va pas imposer son voile aux femmes non voilées. Aussi, un élément qui est très important est pareil. Vous savez, je pense que le fort ne respecte que le fort. Et changer ma religion pour la faire accepter des autres personnes est une chose que je ne peux pas m'imaginer faire, ne serait-ce que pendant une seule seconde. Qu'on soit bien clair, le voile est une obligation en islam. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste de personnes qui veulent trafiquer les textes, afin justement de dire « oui, mais non, mais finalement, ce n'est pas si obligatoire ». C'est obligatoire, maintenant. Nous avons des femmes aussi qui cheminent, qui ont un cheminement spirituel. Et peut-être que vous, mesdemoiselles ou mesdames qui ne sont pas de confession musulmane, vous avez dans votre entourage des femmes, pour certaines, qui sont voilées en tant que telles, et d'autres femmes qui portent un turban. Eh bien, le turban fait partie du cheminement spirituel de ces femmes-là. Elles visent à porter un véritable voile, mais elles ne se sentent pas prêtes encore à le porter. Elles ne se sentent pas prêtes au niveau spirituel? Non, pour la plupart, ce n'est pas une question de spiritualité. C'est une question de regard de l'autre, de jugement. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un degré si profond, finalement, de la haine du voile, que nous avons de très nombreuses femmes qui voudraient porter le voile. Et leurs parents leur interdisent de porter le voile en raison du danger qu'elles encourent à marcher dans la rue avec leur voile. Est-ce que vous vous rendez compte de l'endroit auquel nous sommes arrivés? Je vais vous raconter une anecdote qui est personnelle. Et alhamdoulilah, heureusement, ce jour-là, je n'étais pas là. Parce que je ne sais pas si j'aurais réussi à rester réellement calme comme je le suis maintenant lorsque je vous parle. Mes filles, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal m'a donné le grand bienfait d'avoir 6 enfants. Et j'ai 4 filles, mashallah. Toutes mes filles, alhamdoulilah, sont voilées. Et je demande à Allah Azza wa Jal de les préserver. Une de mes filles, alors elles font toutes du sport, il y en a qui font du parcours, j'en ai une qui a été champion des Hauts-de-France en taekwondo, vous voyez, elles font du sport, mashallah. Et une de mes filles a voulu aller faire du badminton à côté de chez nous, dans une salle municipale. Elle veut juste faire du badminton, rien de spécial. Ma fille porte le voile, un voile sportif, Nike, etc., spécialement fait pour le sport. La personne qui les reçoit leur explique que c'est la laïcité, et que la laïcité est inclusive, et que comme la laïcité est inclusive, alors on ne peut pas laisser une femme de confession musulmane faire du sport en étant voilée. Je n'ai pas compris en fait. Est-ce que la laïcité vise à donner la liberté à chacun et à chacune d'exprimer ses convictions religieuses comme ils le veulent, tant qu'ils ne sont pas dans l'imposition de ses convictions aux autres? Ou bien est-ce que la laïcité, c'est le fait d'interdire aux gens d'avoir une religiosité? J'aimerais comprendre la différence entre les deux. Finalement, au nom, soi-disant, de l'intégration, on expulse des jeunes filles de 15 ans, 16 ans, et on leur dit qu'elles ont tellement peu de valeur dans le regard des responsables des clubs qu'elles ne peuvent même pas faire du sport. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence de cette situation-là? La violence de cette situation-là pour une jeune fille de 14, 15 ou 16 ans qui est en train de faire des efforts, qui est souriante, qui est gentille avec tout le monde et qui voulait simplement faire du sport. Encore une fois, on revient à la première des choses que je vous ai dites dans cette vidéo. Humaniser ou déshumaniser? Pour finir sur ce sujet qui, je l'espère, vous aura été profitable, je voudrais prendre une dernière légende et essayer de la démonter avec vous. C'est que le hijab, le voile musulman, serait un étendard politique d'une domination de quoi que ce soit. En fait, non, c'est juste des femmes qui cherchent à adorer leur Seigneur. Et parmi les expressions de l'adoration pour la femme, il y a le fait de porter le voile. Comme je vous l'ai expliqué par rapport à une pudeur islamique, comme je vous l'ai expliqué par rapport au fait d'avoir la valeur d'une femme, non pas par rapport à ses atours et à son physique, avantageux ou non, mais par rapport à la valeur des discussions et des interactions qu'on peut avoir avec elle. Vous savez, ce n'est pas parce qu'une chose est répétée en boucle sur les médias que c'est une vérité. Et moi, je vous invite toutes à faire quelque chose, à parler avec des femmes voilées,
Et vous verrez qu'elles sont comme vous des mamans, des épouses, des célibataires, des femmes qui ont un travail, des femmes qui sont étudiantes. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, finalement, on a tellement en commun. Ces femmes-là, elles ont un humour français. Elles ont une culture cinématographique française. Elles ont des références de réflexion qui sont des références françaises. Et vous verrez que finalement, ils ont tenté de mettre entre nous des murs qu'ils ont inventés. Et qu'il nous suffit juste de nous regarder les uns les autres avec de la bienveillance, de nous humaniser, de cesser d'entendre les gens qui ne connaissent pas l'islam en parler, qu'on ne laisse pas les gens nous faire peur pour nous diviser. Et vous verrez qu'il y aura tellement de choses à partager entre nous, Inch'Allah. Je ne fais pas la mendicité du respect, là. Je ne suis pas en train de mendier du respect. Je suis en train de dire que la plupart des gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui avaient une mauvaise image des musulmans et des femmes voilées, il aura suffi de se poser pendant une demi-heure et de discuter pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont en face d'eux des êtres humains comme eux. Des gens qui ont une vie de famille comme eux. Des gens qui aiment rire comme eux. Des pères de famille qui blaguent avec leurs enfants, des mères de famille qui blaguent avec leurs maris, avec leurs enfants comme eux. Des espoirs de vacances qui soient agréables comme eux. Écoutez, recréons du lien. Et je pense que lorsqu'on arrivera au moment où on cessera de simplement tolérer le voile, parce que quand on parle de tolérer, c'est une chose déjà qui nous dérange, mais on les laisse quand même exister. Quand on ne sera plus simplement dans un objectif de tolérer le voile, mais d'accepter totalement les différences des uns et des autres, et de regarder les êtres humains qu'il y a derrière, je pense qu'on aura fait une grande victoire. On aura obtenu, pardon, une grande victoire et on aura fait des grands pas pour ce pays qui est la France et pour ce peuple qui est le peuple français. Quand vous me regardez, vous avez le choix entre deux choses. Soit vous voyez un homme avec une grande barbe et avec ce qu'on appelle une chéchia sur sa tête, qui est certainement un musulman, un imam, peut-être un wahhabite ou peut-être un... et que sais-je encore. Ou bien alors vous regardez quelqu'un et vous vous dites « Ah, celui-ci, c'est quelqu'un qui a grandi dans le 94, dans le Val-de-Marne, qui est parti à la fac à la Sorbonne, qui a fait son lycée à Champigny à l'époque et qui a partagé, en fait, avec tout le monde et qui est un Français comme moi. Ah, mais il est de confession musulmane. D'accord. Ah, et physiquement, il porte une grande barbe. Ah, d'accord, je valide, il n'y a pas de problème. » Quand on verra les êtres humains qu'il y a derrière, on aura gagné, Inch'Allah. Et je dis bien « Inch'Allah ». En espérant vraiment que ça a été profitable pour vous tous et vous toutes, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces épisodes. Une invitation au paradis. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.